Pendant que je dis assez, et jeudi 5 décembre. Et comme nous connaissons, nous avons leçon 10 que nous avons étudié pour toute semaine. Le titre, c'est Le chemin, la vérité et la vie. Verset de mémoire, verset pour nous qui met dans la tête, non? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1er, verset 18. Et maintenant, comme nous avons déjà dit, je dis à ce jeudi 5 décembre, petite leçon pour jeudi, hein? Les Écritures et la vérité. Nous parlons. Fermez les genoux pour une courte prière. Papa, nous qui dans celle-là, nous disons merci pour le miracle du réveil. Combien de monde qui t'a donné, qui va réveiller, mais nous-mêmes nous permettre que nous réveillons lorsque nous allons étudier les paroles et aidez-nous pour nous capables de comprendre et mémoriser tout ça qui est pour dire nos matins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Amen. Les Écritures et la vérité. C'est une leçon pour aujourd'hui, jeudi, matin. L'évangile là, écrit, joue un rôle important pour parler nous de qui ça, chemin, qui ça, Jésus, il c'est chemin, il c'est vérité et il c'est la vie. Dans l'évangile, même Jean, tant que dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, écrit, joué un rôle clé pour révéler nous la vérité. C'est particulièrement vrai lorsque lui a enseigné nous qui est-ce qui Jésus et qui ça Jésus vini pour le faire. Je vais donner pour nous lire Jean 5, les versets 38 à 40. Que dit Jésus ici sur les Écritures? Jésus, avec disciples, il était référé sans cesse dans les Écrits. Il était référé sans cesse dans ce qui est écrit, dans l'Écriture, dans ce qui est écrit. Parce que nous connaissons toute écriture, il est inspiré de Dieu pour confirmer que Jésus c'est Messie. Christ t'a dit, en effet, si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Jean 5, versets 46 et 47. Encore, il m'a demandé pour nous lire Luc 24, verset 27. Pourquoi est-il important que Jésus se soit d'abord référé aux Écritures pour révéler le sens de son ministère? L'autre côté, tout autant que nous avons cité livre Exode là, Christ dit, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Matthieu 22, verset 31. Zacharie parlait de toute promesse, bon Dieu. Côté que lui dit, bon Dieu parlait par bouche saint yo prophète yo d'autrefois. Luc 1er, verset 70. Dans le sermon, dans le prêche, jour de Pentecôte, là, jour de la Pentecôte, Pierre déclarait, il fallait que soit accomplie l'écriture dans laquelle l'Esprit Saint, par la bouche de David, a parlé. Acte 1er, verset 16. Bible
li pa ou manuel de science, li pa ton livre de science. Li pa expliquer comment ou capable diviser un atome. On connaît un atome qui s'allie en chimie. C'est un bagage qui c'est tellement petit. Ou bien pour nous réaliser une opération de cerveau. Mais li fait un paquet de bagages qui gagne plus importance encore. Li baye sens de univers côté nous a vivre. Li c'est clé qui ouvrit porte. Li c'est clé qui baye lumière. Li c'est clé qui permet nous ouais. Sans lui-même, nous tapons dans ignorance concernant existence bon Dieu. Wally dans l'univers entier. Propre origine. Sens dans vie. Sens dans avenir. Eh bien, si nous pas gagnons, vie pas tap gen sens. Christ, c'est unique source de vie. Si nous t'a dit la vie, nous devons attacher nous à c'est la même qui baille la vie, qui baille la vie aux anges, qui baille Saint-Yo. Et même anges qui déchu yo pas capable ba nous la vie parce que yo même c'est bon Dieu qui ba la vie. Ange yo pas ka faire rien pour nous, yo pas ka ba nous la vie parce que la vie vini de bon Dieu. Non seulement yo pas capable ba nous la vie, mais tout yo pas ka faire rien pour nous. Pi gros moun ki kapab bay la vi a, li rele grand Dieu. C'est bon Dieu seulement qui kapab bay la vi. Et c'est lui même qui pi grand. C'est lui même qui pi grand. Zanj yo pa kapab bay nou la vi. Parce que c'est bon Dieu qui bay ou la vi. Yo pa kapab bay moun la vi. Et c'est un bagay qui direct moun ki bay la vie a nous même nous doit obéir à lui même, nous doit faire tout ça que li dit pour nous faire parce que la vie a c'est dans lui même lié, la vie a c'est dans Jésus que lié plus que et c'est ça que fait apôtre Jean distingué plus que tout l'autre évangélisio, plus que tout l'autre évangélisio, c'est et apôtre Jean distingué dans ce sens comme les distingué qui c'est et parole lio distingué et les côté que les parler nous de Jésus qui c'est petit bon Dieu qui est incarné et comme le grand je suis. C'est seul Jésus qui est capable de comparer avec bon Dieu. Après ça, quel que soit type où on est capable de gagner, ou pas qu'à comparer avec bon Dieu. Comme nous t'es déjà dans le son, nous t'es étudié avant yo. C'est une référence divinement de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus proclamé. Hein? Jésus proclamé l'évangile là. C'est Jésus même qui dit l'évangile là. Par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus même qui dit, lui c'est chemin, lui c'est vérité, lui c'est la vie. Jean 14, verset 6. Lorsque nous avons marché dans le chemin
qui c'est Jésus, eh bien, lui enseigner nous la vérité qui conduit nous dans la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas capable de mentir. Moi, ça n'a pas existé dans le calendrier Jésus. Jésus, c'est le seul chemin vers l'éternité. C'est le seul chemin qui mène nous à papa. Parce que papa, bon Dieu, pape jamais jeter un monde qui vini à lui-même sincèrement et qui repentit quelque soit sorti qu'on a fait qui pas bon ou vini avec bon Dieu, il pas jeter ou comme et nous te relis dont la vie éternelle là, c'est dont la vie éternelle là, dont salut a de dominer l'évangile Jean plus que tout l'autre livre dans la Bible. Parce que Christ, c'est l'unique source qui est capable de bah nous la vie. Maintenant, qui ça nous doit faire? Nous devons attacher nous dans la lecture de la parole de Dieu. Attacher nous dans sa Bible a dit, parce que c'est lui-même qui boussole nous, c'est lui qui a montrez-nous le vrai chemin. Tout ça que nous dit, tout ça que nous comprenons, nous dit de par ça nous étudier dans la Bible, de par ça, la Bible lui-même l'est dit. Et c'est comme ça que nous finissons avec le son. Nous pouvons fermer les yeux pour une prière pour nous capables de dire amen. Papa, nous qui dans celle-là, merci. Merci. Côté que, ou expliquez-nous parole, la Bible, parole qui dans la Bible, nous devons concentrer nous dans yo. Nous devons lire la Bible, pas lire pour lire, mais pour nous lire avec tout notre tout esprit, pour nous capables de comprendre ce que vous voulez dire. Nous disons merci. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Et nous pouvons le séparer. Nous demandons, si il y a n'importe quel monde qui a coûté le son salvateur, qui a une difficulté quelconque, ou maladie, ou bagaille quelconque, que l'été désespéré, on va porter confort, on va porter guérison, on va faire parole ça, entrer dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.